Ok, le début de l'histoire, tu le connais. À l'origine, il n'y avait que dalle, rien de rien, juste le vide et le darkness. Et ça, le darkness, ça lui plaisait bien. Puis Dieu vint tout chambouler. Il alluma les lumières, créa une planète par-ci, un soleil par-là, enfin, tu vois le genre. Rapidement, l'endroit fut recouvert d'humains, de vaches et puis de trucs partout qui couraient dans tous les sens. Inutile de dire que le darkness l'a eu mauvaise. Il réagit alors comme l'aurait fait toute entité maléfique à sa place. Il utilisa ses puissants pouvoirs pour se frayer un chemin dans le monde, passant d'un autre humain à un autre. Tous pensaient le dompter, mais le darkness ne sert personne. Avec le darkness, tu obéis. Arriva alors un autre, Jackie et Staccato. Aucune famille, aucun espoir, aucun avenir, enfin, tu vois le genre. Rien d'étonnant à ce qu'il ait fini comme tueur à gages pour les Franchetti, une famille de criminels. La vie n'était vraiment pas rose pour Jackie. Le jour de ses 21 ans, elle vira même carrément au noir. À première vue, ses super pouvoirs étaient une véritable aubaine pour Jackie, lui qui trempait dans des affaires crapuleuses. Si on fait abstraction du démon qui vivait en lui, ça aurait été le cas. Le darkness ne se contenta pas de rendre Jackie plus fort. À l'abri de la lumière, il pouvait faire de lui un dieu. Subitement, la mafia prit Jackie pour cible. Elle le voulait mort, tout simplement. La mafia de New York déclara la guerre à Jackie et au Darkness. Tout n'était cependant pas noir pour Jackie. Une lumière brillait dans sa vie. Cette lumière s'appelait Jenny. Ces gosses se connaissaient depuis toujours. Ils étaient véritablement faits l'un pour l'autre. Le sort en décida autrement, leur histoire se transforma en tragédie. La mafia cherchait un moyen rapide pour atteindre Jackie, et il pensait y parvenir en lui retirant sa seule raison de vivre. Tuer Jenny est l'idée la plus stupide que la mafia ait jamais eue. Sans elle, Jackie n'avait plus aucune raison de vivre. Pire, il n'avait plus rien à perdre. Tout comme le Darkness, Jackie l'a gardé enfoui pendant des années. Mais tous ses efforts sont inutiles. Nul ne peut contenir les ténèbres. S'il ne parvient pas à dominer cette chose en lui, il se perdra à jamais. Jackie ne sera alors plus qu'une coquille vide. Et le Darkness, lui, n'attend que cela. Un peu avant de mourir, mon père m'a dit ceci. Jackie, on n'échappe pas à son destin. Mais tu peux toujours essayer. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Il y avait quelque chose en moi. Un pouvoir terrible qui attendait de sortir. Et quand c'est arrivé, il m'a forcé à regarder la seule chose à laquelle je tenais, se faire éclater la cervelle sous mes yeux. Puis il m'a donné le pouvoir de changer tout ça. Le genre de truc qu'on ne voit que dans les pires cauchemars. Les meurtres le rendaient plus fort, plus incontrôlable. Mais j'ai trouvé un moyen d'enfouir ce pouvoir. Mais depuis, il fait tout pour ressortir. Il s'appelle le Darkness. Jackie, content de te voir. Entre. Salut, Vinny. Comment va la famille? Laquelle? Hé, hey, Jackie, vise un peu les nichons de la brune sur ta droite. Non, non, l'autre droite. C'est sa gauche, du con. Hé, hey, Jackie, regarde ça. Ils ont mis une photo de ton père. C'était un type bien, ton père. Un type bien. Écoute, c'est pas le moment de déprimer. Viens, boss, ta table habituelle est prête. Y'a les jumelles qui t'attendent. Super. Hey Enrico, ça y est, je t'ai eu tes billets pour le match. Allez, c'est cadeau. Franky, comment va? Oh, monsieur Galvani, vous êtes de retour en ville. Je suis là, madame. Nous allons vous remplacer. Billy, comment ça va? Pas mal. Hey garçon, c'est pour emporter. Tout de suite, Swifty. Allez, on se bouge, je dois filer, petit. Accélère. Je suis désolé, Gaston. Et voilà, boss. Bon appétit.
Salut, Jackie. Tu te souviens de nous, au Candy Club? Hein? Alors? Mais oui, allons. Croyez-moi, les filles, je suis le premier déçu. Oh merde! Jackie, baisse-toi! Tu restes avec moi. Merde! Regarde sa jambe. Venez, on a de la compagnie! Passez devant, les gars! Je vais ramener Jackie derrière. Jackie, écoute-moi. Je vais t'emmener derrière, mais il faut que tu prennes ça. Débarrasse-nous de ces mecs. Vinny! Je vais massacrer ces merdeux! Jackie, viens dans les ténèbres. C'est qui ces mecs? La dernière chose que je reprendre mon souffle. Mais j'ai besoin de souffler un peu, Jackie. J'ai pas fait de sport depuis des semaines. Moi, c'est bonheur. T'es mort, sac à dos. Écoute, je peux voir la cuisine d'ici. On peut essayer de l'atteindre, mais faut que tu prennes les deux flingues pour que je puisse te traîner. Ouais, on y va. Il est presque. Sans le gaz, mine-toi, Billy! Vite là-dedans! Qu'est-ce qu'il merde? Vite, file-moi ton briquet! Oh l'enfer, est-ce que t'as